Go. You can go. Allô, bonsoir. Mes amis, mes frères et sœurs, encore une autre fois, c'est frère nous amis nous, pasteur Michel Saint-Vélus. Nous vivons un moment qui est tellement difficile en tant que leader spirituel, nous pas arrêter avec les bras croisés. C'est vrai, nous prions constamment, nous cherchons présence mon Dieu, n'a cherché qu'on est qui ça bon Dieu voulait nous faire dans cette situation hein? Parce que son situation qui déjà dépassé la compétence humaine pas gain personne monde dans monde ça qui campé puissant ou compétent devant situation ça. Moi pas un journaliste malheureusement, mais seulement un serviteur. Un serviteur qui est là pour servir le peuple de Dieu. Et moi, je sens bientôt le travail. Et maintenant, je vous prier. Parce que la première âme non gagnée contre virus, contre fléau, je pense que c'est la prière. Il y a une information que je vais partager avec nous qui est très intéressante. Et je souhaite nous tous capter de prêter attention soutenue avec un peu d'intérêt. Actuellement, il y a plus de monde qui mourit. Ce n'est pas parce que vous faites, ou du moins si vous gagnez un virus, c'est seulement que vous sentez un petit malaise et puis vous levez à l'hôpital. Comme d'habitude. Autrefois, nous avons toujours dit, ne vous sentez pas bien chercher votre docteur. Frère Max, mes amis, dans le moment ça, le conseil ça n'est pas approprié. Cette affaire sous sentir pas bien à la cas docteur n'est pas approprié dans le moment ça. Pour aller à l'hôpital, il faut qu'on extrêmement malade. Je vais vous dire encore. Nous avons souvent dit de vous sentir pas bien chercher votre docteur. Dans le moment ça, n'est pas approprié. Lorsque vous êtes mal à l'aise ou le voir à l'hôpital, s'il vous plaît. Moi, j'ai un pile cas. Et ce n'est pas quand vous venez de me dire, c'est des cas qui proches à moi-même. Des amis, des parents qui tombent déjà. Les gens qui tombent, ils sont morts. Je suis bon même 5 cas côté de mon pays. Je suis un ami moi, qui est au Jersey. Je suis un petit mal à l'aise. Dans jeudi, dans vendredi, il rentre à l'hôpital, il n'est pas sorti. Je suis fidèle à l'église, un membre de l'église, qui est une voisine. Ce qui font monter, là, l'hôpital n'est pas sorti. Il n'est pas rentré la cali vivant. Je suis tant d'autres cas encore que je connais, pour ne pas citer plus que ça, parce que la prend trop de temps. Je suis à l'hôpital parce que je suis malaise, je ne pas tourné. Et au fond, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que lorsqu'un monde ambulance vient prendre, soi-disant qui est malade, pour mener à l'hôpital, ou pas gain accès pour rentrer à l'hôpital. Déjà, si ce n'est pas un monde qui connaît pas l'anglais, ou bien même si le monde ne connaît pas l'anglais, tout ça n'a pas qu'à aider, parce que ou pas connaît qui est-ce qui opère sous lui et avec quelle intention. Nous avons besoin très prudents, parce que le monde est très méchant. Nous ne connaissons jusqu'à présent ce qui a passé. Mais pas oublier tout. Nous ne connaissons pas sans savoir que nous avons lutte qui a mené depuis longtemps. Pour réduire la population humaine. Vous faites qu'on ait que trop de monde sous terre. Donc, nous ne pouvons pas vivre. Parce que nous empêchons un peu l'autre monde de vivre bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, son cadeau, nous avons fait bon Dieu, nous avons fait tête, nous avons fait moi-même serviteur. Nous. Pas aller à l'hôpital si pas gagner besoin. Nous avons une période de grippe. Au cas senti gorge vous boucher. Au cas fait tousser. Au cas enrhumé. Mais, si vous courez à l'hôpital, vous pouvez peut-être aller. Ça, c'est le premier cas. Côté, soit aller pour un petit cas, vous faites venir un gros cas qui est la mort. Évitez ça. Deuxième cas, grand pile monde actuellement là, qui est infecté par virus, il n'y a pas de guerre. Sinon, imaginez si vous vous attrapez. Mes amis, c'est devoir moi, en tant que citoyen haïtien, pour me faire connaître surtout à peuple moyen. C'est ça que fait c'est en créole. Moi, fais vidéo pour nous arriver à comprendre ça, m'a dit, c'est très important.
pas aller l'hôpital sinon pas gain en extrême emergency. Actuellement là, sous senti malaise, faites des médicaments là kaou. Relez moun nou konnen, mande conseil. Pour qu'ils soient capables ou bien rester au repos pour capable passer pour capable ramasser force ou énergie. Et puis qu'on l'autre bagage encore qui est important. Dans les réseaux sociaux, il y a grand pile bagage qu'a dit. S'il vous plaît, soyez encore une fois prudent et même très prudent. Les médicaments ou fait je pense qu'il y a un bon sens pour qu'on n'est pas bon. Par exemple, il y a des médicaments qui si dehors, bicarbonate avec citron. Évitez ça. Pas faire des choses nous pas connaît. Parce que des médicaments, c'est des choses poison qui peuvent tout nous avant même le coronavirus à atteindre. Donc, de ce fait, je prie en grâce, s'il vous plaît. Je vais nous en pile consigne. Je vais nous en pile conseil. En tant que frère, nos amis, nous ne pouvons pas faire ça. Mais ces temps-ci, je me sens poussé, je me sens concerné. Et ceci, 100%, pour moi, dit tout le monde, l'église, même les gens qui parlent dehors de l'église, les gens d'Haïti, les gens de Chili, les gens de Brésil, les Haïtiens dans tous les quatre coins de la terre. S'il vous plaît, tant de conseils, ça. Ces amis, serviteurs, si vous avez une question ou pas clair sur lui, vous pouvez appeler ma bon numéro de téléphone. C'est 516-880-4253. Parce que nous là, non seulement pour nous défendre la cause de l'évangile,